Alors, pour vous faire plaisir, on va recevoir un poète, Marion Guilbeault. Oui, moi aussi, j'ai un linguiste à vous présenter, un linguiste un peu particulier, car il est l'inventeur de la chanson pas chantée. Son nouvel album s'intitule « J'ai changé ». Eh bien, moi, j'espère qu'il n'a pas changé tant que ça, parce que moi, j'adore sa voix unique de Tom Waits, ch'ti, sa poésie punk, ses chansons à boire et à déboire. Il a été longtemps en duo avec son complice, le contrebassiste François Pierron, et il a choisi la formule Club des Cinq pour défendre ses nouvelles chansons. C'est Loïc Lantoine. C'était chez vous, surtout chez moi. Vous étiez roi, j'étais le fou. On riait doux, on pleuvait droit. On va où là, ça redevient flou. On a vieilli dans mon croisement. C'est d'autres gens qu'en sont sortis. C'est réussi, on est plus grand. Mais maintenant, il y a moins d'ici. Je les ai vus, toutes vos rencontres. Contre la montre, vous m'avez plu. Je n'ai rien su de toutes vos hontes. Vous étiez nus, j'étais tout contre. Messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, il pleut pas dehors. La mauvaise, je ferme. Mais c'est de l'histoire, de la légende, du vrai bobard. Viens que je t'y attende, fouille-moi ces cendres, il reste l'espoir. Moi en affaire, je sais que dalle, mais fallait le faire, rincez vos dalles, mon capital. J'ai fait la paire, mais de mes frères, aucun cavale. Demain, fini le bistrot, c'est pas trop tôt, car je reviens avec rien, mais la même peau. Regarde si je suis beau quand je vois au loin. Messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, il pleut pas dehors. La mauvaise, je ferme.
Je ferme par Loïc Lantoine avec ses musiciens François, Joseph, Eric et Thomas. Il sera en concert à Nanterre le 17 mai au festival Parole et Musique à Saint-Étienne le 1er juin, à la Maroquinerie à Paris le 23 octobre. Merci, merci beaucoup Eric Orsana. J'ai vu que vous aviez kiffé. Hein. Ah, j'ai kiffé et dur là. J'ai kiffé dur parce que quand on le voit là, il se bat, c'est une sorte de combat tendre. Et donc, il y a de l'amour là-dedans. Ça, il se trouve que j'avais connu il y a très longtemps Bachung. C'est un univers comme ça, de cet ordre-là. Les mots sont portés, battus, défendus. On a l'impression que c'est à la fois tendre et nécessaire. Waouh! Wow. Oh, que beau! Ça va être repris intégralement sur son dossier de presse. Hein. Je vous l'annonce officiellement. Aucun problème, alors j'assume. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique.